Ok. Le fantôme, tu te tues comment en fait? Ok. Ok. C'est bon, on a tiré la chasse. On se reprend chez les chozos. On va avancer en fait, on va aller. J'ai vu qu'il y a un passage là. C'est celui-là qui mène ici. Je sais pas ce que c'est cette grande pièce. Donc là, là en fait à gauche tout simplement. Donc les ennemis, on les laisse faire leur vie. Ah c'est pas là. Ok, elle est où la porte? Elle est là peut-être. Okay. Donc les ennemis, on va laisser faire leur vie, nous on va tracer. Tac. On n'a pas le temps pour tout ça. Ah, là-haut. Ah ben voilà, là-haut. Ben c'est là en fait. Oui, c'est là. C'est là. Donc là en fait, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Faut juste trouver comment choper le serpent. Il est où l'entrée? Ah mais il est... What? Ah oui, ah oui, il y a Jean-Patrick là qui vient gratter de... Ah je crois que le serpent il est de l'autre côté. Il va attaquer le serpent, hop, tac. Oula. Ok. Tac, là on chope ça. Et hop, et voilà comment on passe. C'est pas mal hein. Hop là. Ça servira à rien ça. Je vais juste stopper. Voilà, vu le lag qu'il y a eu, j'ai pas envie qu'il y ait une seule coupure. J'ai quand même toujours autant de lag, hein. c'est un peu embêtant. Ça me rappelle une pièce ça qu'on avait vu, qu'on n'avait pas réussi à passer parce qu'on pouvait pas. Une grande pièce là. Ça me rappelle quelque chose ça. Avec la boule araignée, je peux passer maintenant. Je suis au centre du monde. Que dois-je faire? Je suis au centre. Qu'est-ce que je dois faire là? Quel est le but de cet endroit? D'accord. Ça a l'air passionnant comme endroit, mais je comprends pas le but de la pièce là. Attends, il y a un passage en bas. Il est où le passage? Il est encore plus bas? Ah, il est sous l'eau. Bon. Tu sais nager, Samus? Ben, va falloir apprendre, je crois. Ok, Samus ne sait pas nager. Ok, Samus ne sait pas nager. Donc là, ça va être un problème. Cette pièce... C'est pas bon maintenant. Ok. Bon. Pourquoi pas. C'est pas le moment. Ça me paraît bizarre quand même. Tout ça, pour si peu. Il y avait une grande pièce aussi qui ressemblait à ça, mais je sais pas où elle est par contre. Le problème, c'est que c'est une pièce que j'ai vue. Il y avait des passages. Est-ce que c'était ici au moins? C'était peut-être pas ici. Hein. Non, ça devait être là. Non, non, je crois que c'est cette pièce-là, la tour solaire. Ça doit être ça, en fait. Ça doit être juste la tour solaire. Et là, comment on fait pour aller ici? Ici, là. Ah, il y a un passage là à faire aussi. Attendez. Il y a un autre truc à faire, là. Ok. On va essayer de faire celui-là, par contre, il va être long à aller le chercher. On va essayer de faire celui-là. Donc, quand je sors, je vais tout droit. On va essayer de faire celui-là, en attendant que le jeu nous guide. Parce que là, il nous a toujours pas guidé. Il nous a toujours pas dit où aller. Oui, oui, oui. Je sais, tu veux te battre. Moi aussi, je veux me battre, mais pas maintenant. On a tous envie de se battre. On aime tous la bagarre. Là, il y a une porte.
porte par là. Est-ce que je peux l'atteindre cette porte? Ok, je les laisse, hein. Je me bats plus contre tout le monde. Prends tes les araignées, les guêpes là. Ça a tué la guêpe aussi? Voilà. On détruit leur ruche. Parce qu'on n'en veut pas, des ruches. Allez, on y va. C'est surtout pour éviter les lags des petites bestioles que je fais ça. Ce sont des lags, tu me diras, il y en a. Donc du coup là tout droit. Et là ça devrait passer maintenant. Ah le double saut c'est vraiment une invention incroyable. Attends, on va prendre ça plutôt là. Parce que je sens les. Hein, je croyais qu'il y avait des chauves-souris. Hop là. Ah mais non, mais je peux pas passer. Je suis bête, je passe pas là. Ah ouais, mais ça je peux pas me rappeler de tout. C'est ça qui est embêtant. C'est embêtant là. Parce que je peux pas. I can't do. Ah, je passe pas là. Si je vais dans la lave, je sortirai pas. Bon, c'est pas là. Dommage, l'idée était bonne, mais c'est pas ça. Non, pas maintenant. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va où? Où est-ce qu'on va? Il y a des portes blanches. J'ai pas le rayon de glace. Dôme d'incinération. S'en est occupé. Du gros bébé. Caverne du Magmour. Oh, je sais pas du tout où aller. Je ne sais absolument pas où aller. On arrive dans la partie légèrement embêtante du jeu. Quand on sait pas où aller, eh ben on attend. Ah, c'est quoi ça? Attends. Cette usure métallique ne représente qu'une faille. Hop, même ça. Oh ouais. Ça présente pas de faille. Avec mes petites bombinettes là, c'est clair que je vais pas lui faire mal. On les éclate avant qu'ils nous éclatent. Enfin, que les guêpes, qu'elles nous éclatent, les guêpes, oui. Hop, je suis tombé. Je voulais faire les doubles sauts, mais il n'y en a pas une qui est sortie. Là. Oh, c'est bon. Ils ont bien fait leur jeu. Il y a des endroits où on peut pas aller. C'est bien. C'est bien Nintendo, c'est bien. C'est bien programmé tout ça. Bon. Du coup, ce qui est bien programmé aussi, c'est la map. Là, c'est quoi? C'est pour la surface des talons. Je ne sais pas où vous allez. Ah, là, il y a un passage, là. Tour de lumière. Il y a une petite porte, là-bas, que j'ai pas faite. J'espère, par contre, que je pourrais y aller à un moment donné, parce que ça va être vite saoulant. Ces passages, en fait, où on peut pas aller, parce qu'il nous manque toujours des choses. Après, je sais que c'est le jeu, il est comme ça, mais... C'est un petit peu embêtant quand même. Je suis pas allé là tout à l'heure. Attendez. Je viens d'y aller là, non? J'ai été bloqué à un endroit, non? Pourquoi j'ai été bloqué ici? Non, j'ai pas été bloqué là. Attends. Si, je suis bête. Ah, mais je suis bête. C'est l'endroit qui est sous l'eau. La tour de lumière, je sais absolument pas quoi faire là-bas. C'est une grande tour, mais je peux rien faire. C'est l'endroit qui est sous l'eau. Attends. Je
vais retourner, je crois. Ah, voilà, il était temps. Alors, on doit aller où? Ah. D'accord, l'antichambre. D'accord, ok. Ouais, je veux bien tenter ma chance là-bas, mais ça paraît... complexe, les gars, comme, comme mission. Là. Attends, on va aller voir la tour de lumière, on ira à l'antichambre après. Ah, ok, d'accord, super. Je crame des missiles. Allez, go. Je retourne à la tour de lumière parce qu'il y a un truc que j'ai pas fait. J'ai pas utilisé le nouveau viseur. Le fameux viseur. Non, il n'y a pas de bestiole, hein. C'est bon. On peut rester dans notre forme debout. Nous ne sommes pas obligés de morph-boler. J'ai pas utilisé ça là-bas, là-haut. Même là, j'ai pas utilisé. Si jamais. Ok. Bon, là, le problème que j'ai, c'est que je peux pas remonter en fait. Ouais, j'ai pas. Je sais pas, je peux pas me sauter plus haut dans l'eau. Il y a peut-être une tenue spéciale haut ou des bottes spéciales haut, je sais pas. Une amélioration de mes bottes qui me permettrait éventuellement de sauter plus haut sous l'eau, je sais pas. Là, j'avoue que je me rappelle plus. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à voir ici? Ok, super. Mais c'est super, il n'y a rien à voir. Il n'y a absolument rien à voir. This is good. It's all good, man. Non. Il n'y a rien à voir ici. Bon, on va aller, on va avancer. De toute façon, ici, il faudra certainement en revenir. Sauf si c'est juste un bonus. Mais même un bonus, hein, moi je prends. Hein. Surtout si c'est des réserves d'énergie. Alors là, on prend plutôt deux fois qu'une. Là, les réserves d'énergie, j'aimerais bien en avoir beaucoup plus. On n'a jamais assez de ça. Bon. Trêve de baliverne. Il faut qu'on monte tout là-haut. Alors, est-ce qu'il y a un passage par là? Il y a un passage par là. Il y a même une save. Donc, tout droit, il y a un passage. Ok, on va y aller. Toi, je te laisse vivre. C'est ton jour de chance. Estime-toi heureux. Par contre, les araignées... les guêpes. Désolé, mais vous, votre jour de chance est passé. Ok, 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 vous êtes sorti. D'accord, vivez, je m'en fous. Je le dis. D'accord, là. Là, il faut aller à gauche, je crois. C'est ça, à gauche. Hop, magnifique. On prend ça, là je crois qu'il y a des dragons. Là il y a des petites chauves-souris qui viennent nous en... qui naît. Oh, attendez, là. La fameuse tour infernale, c'est tout droit. C'est tout droit, mais est-ce que c'est au même niveau? Ah, c'est au même niveau en plus. Ok. Ok, c'est pas là. Le fameux effet. Le superbe effet. Ça, c'est des champignons qui font ce bruit. C'est le bruit des champis. Ok, j'en ai pas eu, hein. On va pas s'amuser à tuer tous les champs, à détruire tous les champignons. On va les sauvegarder. C'est vrai qu'il y a une sauvegarde ici. Voilà. Ça va nous faire du bien, une petite sauvegarde. Encore une fois, malgré que je sois sur émulateur, je n'utilise pas les sauvegardes rapides. Je fais que des vraies sauvegardes.
Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la playlist de la série qui est en haut, là, sur YouTube. Vous avez juste à cliquer en haut et vous aurez un accès instantané à la série. Alors, à la playlist. Voilà. Ok. Donc ça, c'est fait, si je me rappelle bien, c'est fait pour du saut simple. Parce que ça, c'est vraiment au tout début qu'on était là. Donc, avec mon double saut, ça devrait être plus facile. On va passer par là. Hein. On va pas... Ah là là. Ils sont où les... Ils font un sale bruit, ces champignons. Ok. C'est où la suite? Ah, c'est là. On va attendre que ça se dissipe. Il y avait quoi ici? Ah, mais il y a le passage. Ok, t'inquiète même pas. Ok, je suis tombé. Ah, je suis tombé à cause de ces foutues chauves-souris là. J'ai mangé le champi. Mais elles sortent d'où celles-là? Sérieusement, ça sort d'où tout ça? En fait, je peux passer par là. Ben oui. C'est plus rapide. Bon. On est là. Je crois que je suis full énergie. Ah, il y a un passage là. Ah, il y a un passage par là, j'avais même pas vu. Allez. Mais bien sûr. Mais pourquoi pas? Donne-moi des missiles un peu, non? Okay. Donc là, alors. Ben là, c'est tout droit, tout simplement. Ok. Bon, ça me paraît bizarre, hein, qui m'amène là-bas, parce que j'ai vu qu'il y a un laser blanc, enfin le faux laser de glace. Ah ben il y a ça aussi que j'ai pas pu faire la dernière fois, que maintenant on peut faire. Ok, faut aller vite, c'est tout. Alors je pense que c'est juste un bonus. J'ai bien pensé, non? C'est absolument pas une bonus. Ah. Toi, tu t'es caché derrière moi, Coquinou. Ok. Alors là, c'est absolument pas un bonus. Donc là, on a la fameuse porte blanche. Qu'on ne peut pas utiliser pour l'instant. C'est quoi ça? Je les ai pas encore scannés, ça? Parasite cuirassé. Attends. Au niveau de la map, on est où? On est là. Alors, il y a une porte blanche que je ne peux pas ouvrir. Parce qu'il me fout le rayon de glace. D'accord. Ça, c'est bon, on a compris. Ah, il y a quelque chose ici. Ben des hommes semble fissuré. L'infiltration des hommes. Ah, ah, ah. Mais Ben des hommes, c'est un. C'est la. On dirait un œil en bas. Oh non, je restais un œil. Ben des hommes, c'est pas le. Je peux pas, moi, ben des hommes encore. Je peux pas ben des hommes, moi. Ah, il y a un écrit ici. Alors, qu'est-ce que ce fléau. Non, quel est ce fléau étrange qui infecte notre terre, pourchassant la moindre parcelle de vie dans sa soif de destruction? D'où venait la météorite responsable de cette catastrophe? A-t-elle été... le météorite. A-t-il été fabriqué par des mains étrangères ou s'agit-il des restes d'une planète qui aurait connu une fin violente? Nous tremblons à l'idée que quelque part dans l'univers il existait jadis une planète où le grand poison coulait à flot. Le cataclysme qui a détruit cet endroit maudit fut vraisemblablement d'une extrême violence. Peut-être existe-t-il d'autres météorites de cette nature qui vont propager ce mal dans l'immensité de la galaxie, pourvu que tous les restes de ce mal aient échoué ici. Sur Talion 4. Sur Talon 4. Si tel n'est pas le cas, tout combat serait vain. Il y a un passage là.
Alors, s'il me donne la super bombe de la mort, je vais... C'est super long comme tu... Qu'est-ce que c'est que cet endroit? En tout cas, c'est hyper joli ici, regardez-moi ça. Les effets de lumière et tout. Encore une fois, on est en 2002. Sur GameCube. C'est inc... Moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment très beau. Alors, qui va nous attaquer ce coup-ci? Je pense que c'est pour avoir les missiles blancs. Ou les super bombes, je sais pas. Allez, boum, c'est bon. Il y a des écrits en tout cas. Encore un peu de lecture, Chozo. Allez, lu. Si vous lisez ces mots, nos prières auront eu un sens. Votre chemin est semé d'embûches, de monstres ignobles et affamés, se terrant dans les ténèbres, prêts à se jeter sur toute forme de vie pour apaiser cette douleur insidieuse, enfouie au plus profond d'eux-mêmes. Certains d'entre eux sont très rusés, mais aveuglés par leur intention diabolique, ayant foi dans le pouvoir maléfique du Phazon pour parvenir à leur fin. Ils cherchent à se l'approprier à tout prix. Ces créatures sont les plus dangereuses. Elles sont peut-être même plus destructrices que le Phazon lui-même. Seul l'élu pourra les exterminer. Ah, ici c'est la bibliothèque. Il y a tous les écrits Chozo ici. Notre temple et le berceau isolent cette abomination du monde extérieur. Toutefois, nul ne sait si cet édifice sera assez résistant pour contenir ce mal à jamais. Comment pouvons-nous espérer que le berceau demeure intact si ce qu'il contient se convulse dans les ténèbres, développant ses forces maléfiques? Le destin de ce monde dépend de la réunion des 12 artefacts que compose le monogramme. La puissance de cette arme enchantée est énorme, mais limité. Nous en sommes les garants, mais nos forces nous quittent chaque jour un peu plus. Est-ce que l'élu arrivera à temps avant que notre garde ait totalement baissé? Il nous reste très peu de temps. Certains Chozo ont acquis le don de voyance. Tandis que notre relation avec l'univers est de plus en plus harmonieuse, nous constatons que notre peuple compte désormais de nombreux prophètes. Nous entrevoyons l'avenir dans les ondulations de l'eau et nous entendons l'arrivée des jours prochains avec le souffle du vent. Bien que ce don de voyance soit fort estimable, la plupart de nos visions sont lugubres. La prophétie la plus effrayante et la plus récurrente annonce la venue du ver, né de parasites et élevé dans un cocon empoisonné. Le ver se développe, dévorant notre monde de l'intérieur jusqu'à sa destruction. Évidemment, toutes les prophéties ne se réalisent pas forcément, mais ce mauvais présage nous angoisse profondément. Cordit. Cordit, c'est ça Cordit peut-être. Mince, c'est quoi Cordit? Ok, c'était ça. Ok, et ça sert à quoi ça? Ok, c'est bien. Bon, là j'étais persuadé que j'aurais affaire à... Ah, il croit que j'avais pas vu lui. T'avais peut-être encore de la lecture de l'autre côté, non? Attends, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de lecture à la main. Ok, là-bas, il y a une porte blanche. Mais je l'ai pas lu, ça? Ah non. Le dispositif disséminé derrière le mur semble avoir été activé. Ah, d'accord, il fallait juste scanner. Ah, ça c'est... Donc, il doit y avoir la suite par là. Certainement, il y a la suite par là, mais il faut juste l'activer. Ok, on y va. Ça dégage tout ça. Merci de nous laisser tranquille. On vous aime pas, vous. Seuls les détenteurs des 12 artefacts pour affronter le ver. Attends, parce que là, je vais chez le ver. Wow.
What? Salut mon pote, t'es qui toi? Fantôme Chozo. Ok. Le fantôme. Tu te tues comment en fait? Ok. Il est où? J'ai vu, j'ai vu. Il est mort. Waouh. Un fantôme chose, j'avais zappé ce truc là aussi. Un fantôme Chozo, incroyable! Il s'agit de la statue d'un ancien Chozo. Selon les écrits de Chozo, cette statue veillée sur. Ok, on a compris. J'ai raté mon effet. Non, je vais pas faire d'effet, tu sais quoi. On va faire un truc normal. Allez, ma petite statuette Chozo! Ouh! Fallait avoir le réflexe là. Ah! Mais oui! Forcément, mais comment te dire? En fait, je crois que c'est des. Oui, vous avez compris de toute façon, je pensais. C'est les rayons. L'écran de protection est activé. Ok. Il y a encore des écrits Chozo. Certaines choses ont été traduites sur la bannière holographique. Il est écrit Hall des Anciens. Hall des Anciens. Ok. Dispositif de rotation. D'accord. Après les numéros. Ok. En fait, des fois j'ai l'impression que j'avance pas au bon rythme. Ça me rend fou ça. Parce que ça en fait, c'est ça. Voilà. Mais j'ai pas les autres, donc comment dire, ça sert à rien en fait, on est d'accord. Si j'ai pas le reste, ça sert à rien ça. On va essayer d'y aller, on verra bien. Est-ce que ça va pas ouvrir un passage? Ah, ça ouvre un passage quand même. Vous avez ouvert un nouveau chemin. Incroyable. D'accord, comment on passe? Comment je passe là? Est-ce qu'il faut que lui me jette, peut-être? Je sais pas. Non! Peut-être qu'il faut que lui me jette, on va voir. Vas-y mon Chozo, jette-moi. Ah oui. Ah bon. Incroyable. Il y a un nouveau passage. L'écran de protection a été désactivé, soyez prudent lorsque vous approcherez de la fenêtre. J'ai pas Scanus. Ce filtre est destiné à l'absorption ou au stockage de l'énergie solaire. Il a aussi une fonction décorative. Je n'ai pas tout. Il me semble qu'il y a un écrit Chozo que j'ai pas scanné. Alors. What is this? Dispositif de drainage semble fonctionner. Le niveau du bassin d'eau est maintenu à 95%. Des pierres peut rester immobile des jours durant. Il s'attaque aux créatures qui sont plus petites que lui. Ok, le crapaud.
Le crapaud! Ah, il crapote pas. Bon, le... Quoi? C'est quoi ça? Bon, le crapaud, apparemment, il est pas chaud. Il crapote rien du tout. Ok. Bon. Encore un crapaud. Très bien. C'est, mais c'est plein de crapauds ici. Ici, c'est la salle des crapauds. C'est intéressant, mais... Est-ce qu'il y a quelque chose à voir ici? Oh, il y a un crapaud là-haut aussi. D'accord, il y a deux portes là-haut. Par contre, c'est des portes de glace, il me semble. Est-ce qu'il faut suivre le câble pour trouver où ça mène et peut-être stopper ce drainage là? Ici par exemple, un alliage tallorique, la couverture fonctionne toujours mais son énergie est instable. Ok, c'est bon, on a tiré la chasse. Donc là, les crapauds vont me crapoter logiquement. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris pour les crapauds. Ça dégage. Les crapauds, on va les faire comme ça. Ça dégage. Je sais pas si je vais atteindre là-haut par contre. Non, je pense pas que j'atteigne là-haut. On va s'occuper du crapaud là. Voilà. Ça me paraît tendu pour atteindre là-haut, non? Juste voir si ça atteint. Ouais, ça atteint. Faut peut-être se faire choper par le crapaud. Je pense qu'il faut se faire choper par un des crapauds là. Alors, faut pas mettre de direction. Si je mets la direction, je casse mon rythme. Oh là là, c'est beau ça. Oh là là. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Rayon de glace. Ah! Et voilà! Voilà, il est là le rayon de glace. C'est magnifique ça. Venez d'acquérir le rayon de glace. Utilisez le stick droit pour activer le rayon de glace. Cette arme permet d'ouvrir les portes blanches. Ah, mais c'est bon ça, le rayon de glace. Bon, maintenant, il faut juste une sauvegarde. Hein. Le jeu, please. Lâche-moi une petite... Oh là là, oh là là. Ce rayon de glace là, il est tellement bon. Je crois qu'il y a une save là. Là, il y a une save là. Là, il y a une save. C'est pas beau ça? On demande une save, on l'a. Magnifique. Rien à dire. En plus, il y a un passage par là. Donc du coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes qui nous sont ouvertes. Enfin, beaucoup. J'exagère un peu. Il y a des portes qui nous sont ouvertes. Ça mène où, ça? Magmour, je suppose. Ça fait de talons. Ah, un talon encore. Du coup, en fait, il y a plein de portes qui nous sont ouvertes. Ah, mais ici, j'ai pas fait la porte ici, là, derrière moi. Attends, on prend pas l'ascenseur de suite. On va y aller tranquillement. On n'est pas pressé. On va aller voir la porte. Il y a une porte blanche là. Il y a une porte blanche ici. Qu'on se doit d'aller voir qui est là-bas. Excuse-moi le crapaud. Voilà ici. C'est un ascenseur. Très bien. Secteur sud de la surface de Talon. D'accord. Donc ça, il y a deux ascenseurs côte à côte. C'est incroyable. L'est de Talon et le sud. Ok, bon, bah on va aller au sud. Allez, on est des sudistes, on va au sud. Donc, c'est une zone de Talon qu'on connaît pas. Logiquement. Alors, ah, oui, mais Talon, c'est super grand en fait.
Talon, c'est très grand. Je voyais pas aussi grand. Ok, les ennemis, c'est pas nos amis. Hein? Ça, c'est pas ça. Ça, c'est connu, tout ça, c'est connu. Ok, on y va. Hop. Ouh le lag. Ouh le lag, il était pas beau celui-là. Il y a quoi ici? Faible structurelle, inventaire de bendésium. Alors je suis dans ma tête, le bendésium, c'est la super bombe en morph ball. Dans ma tête, c'est ça le bendésium. Après, je me trompe peut-être, je sais pas. Mais dans mon esprit, le bendésium, c'est ça. Donc, je ne peux rien faire. Pour le moment, il y a encore plein de passages qui se bloquent. Ah, je ne dis pas que c'est bien déjà, mais encore. Et verrouillé, se retrouve de l'autre côté. D'accord. De l'autre côté. Ok, je suis censé aller comment de l'autre côté? Avec le bendésium, je suppose. Ah, mais il y a tout un passage en bas aussi. Je suis sûr que c'est Talon, ça, parce que ça me paraît immense. Ah, mais le passage en bas, je peux pas y aller. Ouais. Donc c'est peut-être pas le moment de venir ici dans ce secteur-là de Talon. Peut-être d'abord trouver les super bombes. Peut-être de l'autre côté, l'autre porte qu'on avait trouvée. Là. Maybe. Ok, c'est bon. That's good. Ah, attends. On va aller sauvegarder. On va retourner sauvegarder. Parce que sauvegarder, c'est la vie. Au moins, là, j'ai les deux accès ascenseurs qui sont marqués. On va save ici. On prend l'ascenseur caché. Partie a été sauvegardée, votre énergie. Ok. On va sauvegarder, on va prendre l'ascenseur caché derrière. Là. On va prendre celui-là. Après, c'est où ça? Ça mène où ça? Hall des anciens. Non, c'est quoi ce R? Ah, c'est une recharge. Il y a le hall des anciens. Oh, attends, mais il y a ça aussi à faire. Attends, parce qu'il y a le hall des anciens, il y a au moins deux passages à faire là. Oh, on va rester dans ce secteur, on n'a pas fini avec ce secteur. Oh, on va pas partir trop vite. Oh, on va pas quitter trop vite cette zone parce qu'elle est intéressante. Mais déjà. Ouais, le fantôme Chozo là, je t'ai vu. Donc ça, en fait, c'est juste pour aller ici, à la chaufferie. Aucun intérêt. D'accord. Donc là, le fantôme Chozo, il va falloir s'occuper de lui. Ah, mais ils sont nombreux! Ils sont nombreux! Oh! Salut, Samus. Quel BG, cette Samus, n'empêche. C'est une sacrée BG, Samus, hein. Oh là là, attends. Calmez-vous, là. Vous êtes trop nombreux, les gars. Moi, je vous vois pas, moi. Hop, tu fais quoi, toi?
Vous frappez une femme. Vous mettez à plusieurs pour taper une femme. Bande de fous. Ah. Ah, Samus, elle a... Je sais pas si les missiles servent à quelque chose. Ok. Mais ils sont trois. Je peux pas les voir, moi. J'ai pas le... Ça lui fait rien, les missiles. Faut juste shooter avec l'arme de base, quoi. Lui, il est mort. Lui est dead. Il en reste un. Il se tp les enfoirés. C'est bon. Il en reste un encore. Ils sont ultra rapides, hein. C'est bon. Donne-moi de un truc, donne-moi de la vie. Ok, tu me donnes pas de vie, c'est bien, merci. Alors, là, si à chaque fois il va falloir se les taper, ceux-là, ça va pas être rigolo. Derrière, il y a une porte. Une porte. On l'a pas faite celle-là. J'aurais dû y aller direct en fait. Celle-là, on l'a même pas faite. Ah, mais attends. Ok, c'est le hall de connexion. Ok, aucun intérêt. On retourne là-bas avant qu'il repop. C'est bon. Donc, du coup, on ouvre ça. Il faut aller là-haut pour l'activer. On utilise le même subterfuge. Voilà. On active ça. Ensuite, on met la bouboule. On met la baballe dans les mêmes. La bouboule dans les mêmes. Dans les petites mains. De la statue Chozo et qui va nous éjecter à un nouvel endroit. Un nouveau chemin a été découvert. Ah, du coup, c'est un peu plus souterrain. Vous avez ouvert un nouveau chemin. Ah, c'est plus ça, ça va pas. Je me suis trompé. Ok. Allez, éjecte-nous. Envoie-nous le plus loin possible. Mais toute ta puissance de Chozo. Ah, les cris là-bas, je l'ai pas fait encore. Ah, ça nous intéresse. Ah, voilà, une réserve d'énergie, c'est pas mal ça. Sinon, il n'y a qu'une réserve d'énergie. Ok, bon, c'est déjà pas mal. Après, il me restera le rayon plasma. Bon, ça, on l'a pas. Hein. Le rayon plasma, on l'a pas, du coup, bon. C'est pas une urgence folle. J'espère qu'ils reviennent pas les spectres, là. Ah, c'est bon. Ah, l'écrit là-bas, je l'ai pas fait, je crois, celui-là. Ah, j'ai pas fait celui-là. Alors, toutes les créations de cette terre sont faibles et éphémères. Comme elles existent dans une seule dimension, elles sont fragiles, vulnérables et périssables. Toutefois, certaines créatures échappent à cette loi. Immatérielles, elles attendent au-delà du monde sensoriel, émergeant uniquement lorsque l'on remarque leur présence. Telle est la volonté des Chozo. Plus que tout, nous souhaitons éradiquer ce mal et voir la fin des ténèbres. Notre esprit restera animé jusqu'à ce que l'élu intervienne et purifie cette terre de toutes ses abominations. D'accord. Décor. Attends, il me dit qu'il y a une recharge là. Elle est où? Ah, c'est là. Ah, ok. Il y a une recharge du missile, je crois, là. Parce que le R, c'est recharge, hein. D'accord. Hein. Ouais, c'est. Ah, j'en ai même pas vu. J'en ai jamais vu de ça. Ok. Et allez, charge mes missiles. On n'a pas trop de missiles. Hein. Parce que si on veut faire les super missiles là. Sachant que ça coûte 5, on en a combien? 55 je crois. Ça part vite, hein. Ça part très vite. Alors là, c'est ok. C'est ok ici. Okay. Donc en fait, il faut juste que je retourne à l'ascenseur. Donc est des ruines Chozo. Donc que je fasse demi-tour, que je passe par en haut. Et comment on va là-haut? Comment je... Attends, par où je passe là? Là, je suis...
Je crois. Ah oui, je crois que c'est. Je sais comment je suis passé déjà. Je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus comment je suis passé là-haut. Ah, je crois que c'est le rayon. C'est ce rayon-là, non? Je crois. Je sais plus. C'est ce rayon, je crois, qui m'a amené, non? Si, c'est ce rayon. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je me rappelle même plus. Ah là là. Alors. C'est vrai que si vraiment il y avait un défaut à donner à ce jeu, enfin un défaut, il y en a d'autres, mais un des trucs qui moi pour moi est vraiment embêtant, c'est le FOV. Le champ de vision est trop restreint en fait. C'est un peu dommage d'avoir un FOV aussi faible. Parce que c'est embêtant. J'espère que dans Metroid Prime 4, ils penseront à régler le FOV ou, encore mieux, mais ça j'y crois pas trop. Permettre au joueur de régler soi-même son FOV. Chaque joueur met son FOV comme il veut. Ça serait le réglage parfait, ça. Qu'on puisse régler notre FOV comme on veut. Mais le plus important pour Metroid Prime 4, ça serait que le jeu ne lag pas. Parce que si le jeu lag, aïe aïe aïe. On rappelle qu'il sort sur Switch et que la Switch, c'est pas. Voilà, c'est une console qui souffre beaucoup. C'est pas une console puissante. Elle est pas faite pour faire tourner les gros jeux. Alors moi il m'a bouffé au moins. Tranquille. Je passe, pas de problème. On sauvegarde. On retourne sur Talon. On va sur Talon, on va à l'est, on va voir ce qui se passe à l'est.